tay riay je klang nang tetul svakum lok Nikola Rosso da chea porang bitu ai ai ketes robos kot ke tha na kham phiet kola lapiet na kola lapiet de nijey thai ni ke mon men tay jeung mon men je ka saksa kola lapiet na mong te ke vien neu knong sakha muay nei porang vichea dal មិនដឹងពីខ្មែរយើងថាមិនអ្វីត្រូវទេណាប៉ុន្តែពាក្យរបស់គេគេថា dương kỳ thưa ca bị sao để dương khơi nhà rụp nữa lại nết cho là đồ nết thì đốt tâm mày đây tầm bay đằng tăng thảo ô gà nút mai bờ rán quạt đốt đốt vào phần này mà quan bay rồi ông xa thì họ nát rồi còn mà quan ông xa hay tầm bay ở ban nè bờ bờ phía nít trăm tập qua phần này thế tập phần này ông xa thì về trời ca ấy cứ để dương khơi tầm phần mát dương sai chưa khơi tầm mát dương khơi giờ là năng sạch ឥឡូវនេះយើងចង់ដឹងថាដើម្បីឲ្យបានរបស់ហ្នឹងបច្ចេកទេសគេរបៀបម៉េចណាដូច្នេះទៅអានេះឲ្យគេហៅអាគីវជីយ៉ាងនេះទីស្មុកតហើយជប៉ុនដាក់ ហើយនឹងសកលវិទ្យាល័យពុំមិនចិត្តសិល្បៈធ្វើចូលគ្នាណាអមថាអាគារនេះគេទុកនេះអីបើអត់មានសកលវិទ្យាល័យពុំមិនចិត្តសិល្បៈគោមទាំងតរមកវិណាដែរណាជាការសហការនោះសូមត្រេសរឺដល់គឺជាមស្យនីកូឡារូសូគីអានាគីឡូគីអានសេរ៉ាមីស្តឌីសេរ៉ាមូឡូ qui nous qui va nous présenter une branche de d'archéologie qui s'appelle l'archéologie expérimentale, qui n'est pas l'archéologie classique, c'est-à-dire qui consiste à faire des expériences pour essayer de comprendre ce que faisaient les gens d'antan il y a longtemps. Alors c'est sur la céramique. Ça concerne la céramique, ces expériences qu'il a menées depuis plusieurs années, d'après ce que j'ai compris en 2014, 2015, 2018 et tout récemment en décembre 2019. Enfin, j'arrête la présentation là pour donner le temps à M. Rousseau de nous faire son exposé. Dans le micro. Oui. Excusez-moi. Allô. Donc je. Je vais vous parler des expériences de cuisson que nous menons avec le programme Serencor depuis maintenant 2014. Je vais faire un bref exposé sur la céramique
la céramique en corienne et la céramique en fouille, et les raisons de s'y intéresser, pourquoi elle est primordiale dans la... Pourquoi elle est primordiale dans le... dans la connaissance de, du Cambodge en coréen. Quand nghe de quoi phu nâng khiom dây mình về mình ở thế nát về nơi khnông cam vị thi mối kệ đã chia phía xa kệ kệ đã xe xe rong cô sẽ tự địa ở miền này thà ceramic rong cô nè cứ tập phe rong cô anh nâng chia cam vị thi để quạt phu mau bao man chnam nít phu nơi khnông sa hắc cá chỉ mối tháp ban xem xem thông thông nơi bờ tây phẳng cứ chỉ vì xe nút tháp ban đại miền chmu tha ecol francais de tremorion đây là khả mai tha sa la bà răng trong ủ phía đàn miên tì tăng nơi krong siêng riêng nè đàn dây tha thua bọt thua ca bì sao tì bệ đoàn mà chân nằm nè cứ thua nơi tì sa nạc ca nấy sa la bà răng trong ủ phía nông krong siêng riêng voilà, la céramique est très intéressante parce que on la trouve partout. On en trouve des restes partout, sur toutes les fouilles, sur tous les sites. En effet, c'était un matériau extrêmement commun qui rentrait dans tous les aspects de la vie quotidienne, que ce soit la vie domestique, la vie religieuse, à tous les instants. Et elle est cassable, elle est fragile, et surtout, ces morceaux ne se recyclent pas. À la différence du fer, par exemple, qu'on peut ramasser et fondre, la céramique se jette ou elle se laisse là. Donc, on la rencontre partout. Knong kum nai boran chia nung ku ta tain tai mien pa teh thiet chia robah nâu loo bình linh rư ko chia bom nai tai bạc bài thiet vi khóc bi lô hát ở thi hò na lô hát rư ko chư rư ko ấy kì yô tư liêi nó lô hạt liêi vô từ thơ ni nô tới việc bắt và thuộc đá mà rụng riêng đầm chừng nay ai phê vĩnh cứ viên mình ai bắt vì có là thao về chia bẩm nay về chia cũng tích rưu mới cũng về chia nơi là bỏ mùa từ chừng nay tới việc bắt là na để cái nơi tụi bật đẹp khơi nhau ấy tới phơi cầm nay mà là hỏi về miền nơi cướp từ tì la céramique nous renseigne sur l'affectation d'un site. S'il était un endroit, c'était un endroit riche, c'était un endroit pauvre, sur sa date, c'est un excellent outil de datation, et aussi sur les routes commerciales, sur les échanges entre les régions et les pays, car la céramique voyageait beaucoup, et on en trouve... et partout on en trouve de nombreuses provenances. Ka soksa ampi ne kolalapheak nung kyu tha jeung ban tananei chran na te jeung vi thveu vi chi chumnuoy oy jeung yul pi boranathan kalai na muoy te jeung soksa nung te ceramic nung khoeng na aich dang te kalai nih vi pi daem vi chi kalai khpong khpuoh kalai thom dom te sa te ceramic nung chi robos thlai ai ceramic nung vi mà nêm cái lạnh thế vi thưa đầm na cứ thả đôi sa chỉ miền biển để chỉ cầm thằng ceramic dùng cao ceramic nó sục nít nít vi ta luộc đo ena nó tới cái này đôi chân này tới vi mình men còn chỉ vật thộp môi để nâng có dương sọc giá thả thì vi chuối ở dương đằng hai na môi tiết nông còn này khác cái ad cầm nọc cao bồi đi chạy này ông mà thả vật thộp môi tới chia thiệt đúng không? Cái cầm nát cá bò đi chạy tới trường cá với chi chấm nuôi từ đó cá cầm nát cá bò đi chạy nấy bò ran than nục nấy bò sát nục ở tiệt hồ nè biên tự giáo tràn giang. Voilà pour illustrer l'abondance de la céramique. Cette photo par exemple montre ce qui a été trouvé sur une seule journée de fouilles. Il se trouve, c'était au Préacan de Kampong Svai. Et sur la journée, on a trouvé on a ici des morceaux de vase, de jarre, ici de la tuile et de la terre cuite domestique,
Je me souviens que là-bas, il y avait des morceaux de céramique chinoise. Et c'est tous les jours comme ça, c'est partout comme ça, et ça donne vraiment un grand sujet de recherche. ទីជាឧទាហរណ៍មួយកំណៃតែក្នុងមួយថ្ងៃទៅនៅស្ថានីយ៍ណាមួយនៅម្ដុំប្រាសាទបាកានដែលអ្នកខ្លះគេហៅថាព្រះខ័នកំពង់ស្វាយនោះហើយក្នុងអំបែងមិញហ្នឹងមានគេអាចឃើញថាមានអំបែងខ្លះចំណែកខ្លះជាមិនមែនភាគខ្មែរដែលផលិតនៅខ្មែរទេគឺផលិតនៅប្រទេសចិននោះណាអានេះដែលនិយាយពីមុនមកមិញថាវា Voilà un exemple ici de céramique chinoise importée, des petites boîtes fabriquées dans les coulaines, un vase à balustre, un pot en terre cuite, un pot pour faire cuire le riz, bref. Des catégories, des genres, des sortes de céramiques extrêmement variées. Ces céramiques nous permettent aussi de dater les sites avec, sinon de la précision, du moins de la sûreté. Car ces modèles-là n'ont pas été produits au même moment et selon leur forme, selon leur forme et leur forme, leur couleur et la qualité de leur et la composition de leur pâte, ça nous donne des chronologies dont ici voilà un exemple. Bon, ça c'est juste un petit mot pour dire que selon que les céramiques sont bon, elles sont liées à la façon dont elles sont faites. Bref. Et on y revient plus tard. On trouve dans les céramiques en coréenne deux catégories complètement différentes. Liées justement à la fabrication. La première sont les terres cuites, nous y reviendrons, et la deuxième, les grès, dit en anglais stoneware, de pierre. Quand vous dites céramique en coréen, c'est l'époque donc. Oui, les pieds, je ne sais pas si c'est un peu de temps, qui est un peu de temps, non, puis. มวยนี่เวครั้นจะได้ดอดเตะโดยยิงถ้าฉนังบายฉนังใดยิงนะวิจัยได้ดอดมวยเตี้ยวิ่งดอดดังระหุตตอดเตยจิตโดยถ้าทมอร์ไรเนี่ยบางที่องเลก็จะสโตนเวียนุ่งเวียนนะวิจัยเพี้ยจะจ้องเตยจิตวิเตยจะทมอร์ไรแต่รังแค่เกรดได้เกรดคือทมได้ยิงนะเนี่ย
rien tombe dans les impras, rapide à mon point. Pendant qu'un JP céramique, qu'un JP, donc des caractères dans la vie, rien de d'autre monde. On trouve des terres cuites très très anciennes, des terres cuites du néolithique, des terres cuites pré-ancoriennes. On trouve des terres cuites actuelles au Cambodge et elles sont faites toujours de la même façon, c'est-à-dire en général pas tournées autour mais battues au battoir et cuites en meule, comme ça, mises dans la paille et on met le feu et ça cuit suffisamment fort pour avoir une résistance moyenne. Et ça, ces techniques que l'on trouve actuellement au Cambodge sont les mêmes qui étaient utilisées il y a 500 ans, 1000 ans et davantage. Voilà, et c'est, on obtient en cuisant comme ça des températures de 5 à 800 degrés. Voilà. Quelques exemples de terre cuite, des pré-ancoriennes, des pots pré-ancoriens, des ancoriennes, par exemple ce vase assez rigolo qui ressemble, ce qui doit sans doute être un bol à aumône de moine. Et les terres cuites de cuisson, celle-là est contemporaine, mais on retrouve les mêmes dans les fouilles. Les Chinois connaissaient le grès depuis très longtemps. On retrouve des grès chinois qui datent de 1600 avant Jésus-Christ. Mais des potiers chinois sont venus enseigner les techniques du grès au Cambodge à la fin du 8e siècle, au début du 9e. Et contrairement aux terres cuites, les grès se façonnent autour et se cuisent au four. Voilà, quelques exemples de vases en grès, un vase à balustre Buriram,
une conque qui devait servir à qui est percée au bout, qui permet de souffler dedans, faire de la musique, sans doute des buts religieux, des usages religieux, un vase à glaçure bicolore et des petits pots d'écoulène. នេះជាឧទាហរណ៍ខ្លះទេណាការដែលខ្មែរធ្វើអនឹងច្បាស់ជាមានពាក្យហៅប្រសងងាយយើងបាត់បងមិនដឹងហៅណាហៅស្អីហៅស្អីទេពន្លុព្រៀងវាផ្សេងផ្សេងវាមានរបស់ដែលទំហំធំអញ្ចឹងវាមានរបស់ដែលតូចតូចជាខួចអានេះនៅខ្មែរនៅហៅថាខួចបានទេហើយទៅនេះជាសាំងប៉ុន្តែមិនមែនសាំងខ្យងសាំងសមុទ្រទេសាំងដែលធ្វើពីសេរ៉ាមិកហ្នឹងប្រើនៅក្នុងកិច្ចពិធីផ្សេងផ្សេងវាអាចជាផ្លុំផ្លុំដោយបកគូផ្លុំតងៃវាអាចជាសម្រាប
Pourtant, puis pas de mots, mais alors, mais nous, dans le chien, puis on s'est ramé, puis on a déjà tout bas.